eh bien, on a sorti ces 8 erreurs-là parce que ce sont des choses que l'on rencontre de façon assez commune et surtout qui sont de nature à ne pas aider à développer l'activité e-commerce. Donc, ça va être des freins. Vous devez réagir en gestionnaire et effectivement être en capacité de réagir en cas de besoin. Cette réaction-là, elle poursuit trois objectifs. Premièrement, développer le business, limiter le risque. Et le troisième, corollaire des deux précédents, c'est d'anticiper l'avenir. Alors, on va voir que ce parcours, il est grandement optimisé. Entre le moment où je mets mon stock à jour et où mon stock est mis à jour sur mes sources de commandes, c'est à peine une minute. Et vous comprenez bien qu'à un moment, quand vous récupérez les commandes le plus vite possible, que vous les envoyez le plus vite possible, bien, vous allez avoir des chances d'expédier le plus vite possible et de respecter votre délai de livraison. Parce que dans la tête du consommateur, le délai de livraison, c'est pas à partir du moment où il a expédié, c'est à partir du moment où il a passé sa commande. Et ça fait une vraie différence. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.